Nous avons des appels là, nous disons gros bonjour, bonsoir. Et tous les téléspectateurs, nous, tous les amis, nous, quel que soit votre vie, et nous avons un petit manque. Et bon, je me sens trop bien, je me parle avec nous hier parce que je fais un long voyage et qui était un peu fatigant. Donc, je me suis quand même pas de café Facebook là. Donc, on est grand pile, nous pas de content. Le fait qu'une pas de temps demain, bon. Je dis à moi tourner. Et c'est pour moi, il dit nous exactement ça cap des dominations. D'abord, nous connaissons et sommeil, c'est là qui a déroulé actuellement dans Vilnius, dans Lituanie. Côté que dossier qui est dans ce débat, c'est dossier surtout dossier et admission éventuelle Ukraine pour qu'elle fasse partie. Et l'OTAN, mais en principe, tout le monde n'a pas fini d'accord sur ça parce que l'Ukraine n'a pas guerre, ils n'ont guerre avec la Russie, et d'après un chapitre, qui est chapitre 5, et l'OTAN qui veut dire que moi, une main et tout. Donc, depuis moi, en affaire aux membres, ça tout le monde ou en affaire. Donc, il dit qu'il n'a pas voulu à permettre d'accélérer l'admission Ukraine dans l'OTAN, et puis qu'on y a pu même tout y a rentré, non, à faire la guerre avec la Russie, et il va pas aimer sa fête, donc il a retardé, et par exemple, l'administration américaine dit, et il faut qu'elle fasse six ans, et toujours, en fait, l'autre pays, même, il dit, bon, et il a lancé l'invitation, les conditions réunies pour que l'Ukraine vienne, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais le président Volodymyr Zelensky, je ne suis pas content du tout avec la décision et l'organisation et alliance militaire à prendre. Il pensait que je a fait pression pour admettre pour le tavis de membre de l'OTAN. Et on connaît une fois que d'ici membre de l'OTAN, l'OTAN a pour obligation pour défendre. Contre la Russie, en fait, c'est ça que le voulait, mais il veut dire que ça va possible qu'on y a, pour qu'on y a là, mais il n'y a pas nié que l'Ukraine est capable de vivre même l'OTAN, mais ce n'est pas je dis. Et puis l'autre nouvelle là, c'était la Grèce, non, c'est la Suède, qui lui-même a vivre même et l'OTAN lui-même, mais pays, pratiquement, c'était la Turquie qui était censée bloquer. Parce qu'il te dit que Sud-Ouayo, Yurgen Akayo, Mam Pekakayo, qui sont un groupe turc qui est censé contre le gouvernement, donc la Turquie n'est pas content, mais qu'on y a un président et Erdogan, il dit lui-même qu'il n'y a pas d'objection à ce que Stockholm vienne membre. Ou bien la Suède vient même organisation et militaire. Donc, il parle de travail avec le Parlement, puis, parce qu'il ne faut pas vraiment approuver lui, tout le basse. Et puis, il y a une grosse discussion qu'on a faite qu'on y a là. C'est la Russie qui continue à bombarder l'Ukraine entre temps. Il y a un groupe Wagner qui a baillé la Russie, il y a un paquet de munitions, surtout des armes de coups de portée. Bon, pour certains, on peut faire du roumain. Et puis, nous parlons en Haïti. Haïti a parlé là pour recevoir une délégation et CARICOM qui est pour arriver, est arrivé normalement jeudi. Donc, est arrivé jeudi en Haïti, dans le cadre, et justement pour continuer et discussion qui est dans Kingston, Jamaïque, sous dossier, sous crise pays d'Haïti. Donc, c'est certainement. Il y a un objectif, voilà, c'est ça, il pourrait le faire, mais jusqu'à présent, pas de gain qui bougeait depuis les bails et confiance CARICOM, non? Sommet CARICOM, non? Dans Kingston, non? Acteur toujours comme sous position, excepté que le gouvernement, dans le dernier discours pour le ministre, il promet pour l'élargir et à CTA, c'est au conseil de transition, hein? Et il pourrait être tout pour le mettre sous le conseil électoral provisoire, il pourrait être tout pour le faire passer maintenant au gouvernement. Mais groupe qui gagne surtout avec mon accommodant en tête, même dire pas des jobs, c'est pas ça qu'on demande. Ils demandent effectivement pour qu'on assiste, mais c'est pas assister ça que le gouvernement, pas soit assister qui gagne pouvoir, mais ils demandent tout pour gagner un autre gouvernement
et qui était probablement pas Ariel Henry là-dedans, me dit que Ariel Henry t'a capable de représenter dans le conseil présidentiel cinq membres là si et monde qui signe accord 27 t'a désigné, mais il y a même il a aidé à un président déjà, c'était en la personne de Fritz Alphonse Jean qui bail, mais il demandé pour ta gagne comme ça. Bon, c'est un dossier qui vraiment il y a en pile confusion. Et puis Bandio reprend l'activité encore, il y a plus de questions de Kabay, et ministre justice là, et madame, et ministre justice là, récemment dans l'interview, il dit la police a gagné autorisation pour le faire ça le connaît, ça le capable pour le combattre Bandio. Donc, et il pour faire Milce, c'est ministre justice là, donc il a gagné l'interview là, après il dit que la police a gagné autorisation pour le croire Bandio, pour le gouma Bandio, pour faire ça capable pour le croire Bandio. Mais en attendant, l'idée d'une force multinationale pour aller supporter pour ça, l'a fait couler, l'a fait cheminer, mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne rien qui finit clair sur une date, sur un l'air, qui vient la faire, parce que les Nations Unies, il y a des marches que l'a fait pour côté partout, pour le citer à un pays qui t'a accepté de prendre tête, une force robuste, genre secrétaire général des Nations Unies, et il est là. Donc, pour avoir une force robuste qui pourra mater, monsieur Gangame, pour être capable de faire ça, ça va être et organiser les élections. En tout temps, il y a un groupe G7, groupe G9 en famille, et puis il y a un groupe, l'autre groupe là, G9 en famille, avec un autre groupe qui fait eux-mêmes faire la paix. Puis on a posé question sur durabilité la paix, ça qui ça veut dire exactement, ils ont peur que deux groupes qui étaient en bataille entre eux. Après, nous étant des magistrats de soleil qui ont parlé, ils disent qu'il y a des gens dans le soleil, ils ont circulé, ils ont allé dans le quartier, visiter le quartier par l'autre. Tout le monde content, mais je dis entre temps, tout, il faut que l'État fasse un bagage pour lui. C'est la portée assistance, surtout par les jeunes et qui armés, qui sont en gang, qui sont en armé. Il faut que le gouvernement vienne avec des programmes pour essayer de récupérer les jeunes. Donc, ça, c'est. Donc, nous parlons de visite carré comme ça, nous parlons de situation sécuritaire là, qui commence à retourner, bah, gros problème encore. Et puis, tu as gagné. Et oui, pratiquement c'est la situation. C'est surtout les conditions qui ne sont pas réunies, les difficultés qui gagnent pour payer à lui-même et reprendre le droit. En fait, acteurs politiques jusqu'à présent, tout le monde est sous position par eux. Le gouvernement voulait faire des choses, mais. Pour un pauvre exemple, fin décidé complètement, et puis il y a un dossier comme ça, qui a une misinterprétation qui a été faite, soit fait libre circulation haïtien, par exemple, dans tout le pays qui comme ça, et il y a une misinterprétation qui a été faite sous déclaration, ministre affaires étrangères, ou bien ministre haïtien, premier ministre a été fait sous dossier. Et il dit que Haïti a des conditions pour remplir, il n'est pas semblé que Haïti finit toutes les conditions. Mais en tant que pays membre, Haïti t'a doué. T'a doué capable, et Haïtien t'a doué capable de circuler dans tout pays membre CARICOM. Dans 15 États qui sont membres pays CARICOM. Mais bah, là, pour finir, clair net, est-ce que vous demandez un délai pour remplir toutes les conditions? Nous ne connaissons pas, parce que Haïti actuellement n'a pas une institution. Et parlement pas gagné donc c'est il faut qu'on fait connait pour y aurait mettre sous pied institution démocratique. Et sur plan sport, d'abord je dis à Seva dernier carré et pas dernier carré, mais Seva nous en ligne droite et coupe de CONCACAF là côté et c'est semi-finale là, je dis à côté États-Unis a rencontré avec Panama. Et puis il y a un Mexique qui a rencontré avec le seul représentant Caraïbe qui est dans la compétition, dans le pays de Jamaïque. C'est des équipes qui connaissent une autre déjà. C'est des équipes qui ont rencontré une autre. Et vainqueur a rencontré dans la finale et dimanche, lui-même qui a joué la finale là, joué dans la Californie. Je connais non, si Pape Gain contrariété, il est très probable que nous soyons présents dans la finale. Mais nous ne sommes pas présents sur la finale là. Parce qu'elle tombe dans la semaine. Il faut venir travailler, donc non pas non, mais au moins et finale fixée pour dimanche dans Californie, donc nous pas regarder pour la signe capable, signe t'as présent
Donc, à soir, après rendez-vous, non, etc. L'autre nouvelle, c'est que fédération autorité, en fait, ministère des Sports, by fédération football haïtien, 20 millions de gouttes, comme contribution, ou bien cotisation PAL, pour préparation, d'abord, sélection football masculin qui participe dans la Coupe de CONCACAF là, et l'argent tout pour l'autre, et pour mesdames, qui va participer dans la Coupe du monde football féminin qui a déroulé en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais on a dit que Grenadiers sont déjà pratiquement arrivé en Australie, déjà à côté, ils ont fait préparatif final. Gentil Augustin, tu as fait parler avec un membre de la fédération, un membre dans le comité de facilitation, le comité de facilitation. Et suivez-nous, on va y avoir des détails sur qui ça, M. Degen, pour te dire, concernant la préparation, yo, joueur qui est disponible, joueur qui n'est pas disponible, est-ce qu'il y a un joueur qui est blessé, ce n'est pas un joueur qui est blessé, qui en sait plus ou moins. Mais dans l'ensemble, il dit que tout va bien. Et mesdames, vous motivé, et nous rappelons que Haïti a vu le premier match li, contre Angleterre. Angleterre n'est pas by PI, mais Haïti dit tout, lui-même n'est pas by PI et tout. Donc, l'équipe qui est dans le groupe ça, la Chine, c'est le deuxième match Haïti qui est pour jouer. Et puis, il y a Danois qui se va troisième et dernier match du groupe là. Et puis, FIFA a annoncé tout que l'équipe a gagné joueur pour le premier tour là, phase de groupe là. Mais toute équipe qui participe dans la phase de groupe là, joueur a gagné $30,000 chaque. $30,000 avec chaque. Et puis, pour la Fédération haïtienne de football là, elle a recevoir plus de $2 million, y compris et COP joueur. Donc, donc, pas un coquin, non, il mettait balle dans la rue. Donc, Jésus fait plus recevoir $30,000 si vous participez, pour la première phase là. Et si vous traversez la première phase là, vous êtes dans la phase de choukar là, c'est plus si vous avancez, c'est plus l'argent à faire. Donc, vous avez une bonne motivation. Et c'est ça. Et puis, classe politique a continué à bailler pour le ministre de mauvais canet. Le premier ministre n'a pas réglé rien pendant 2 ans. Donc, il a peut-être opté pour un remplaçant, pour remplacer le premier ministre. Mais, de faire cette situation, il n'a pas bouché. Le premier ministre continue à faire toute mener activité là, en tant que chef du gouvernement. Et il continue à rencontrer acteurs politiques sur la scène internationale. Là, et il continue à recevoir invitation en attendant qu'on bagaille qui fait sous question si là. Et pratiquement. Et c'est surtout de ce qui chauffait là, c'est de ce CARICOM là. Ce délégation CARICOM là qui a privé, était certainement c'est dans le cadre suivi et sommet CARICOM qui était déroulé dans Kingston là. C'était certainement pour parler pour est-ce que capable nous déboucher, est-ce que capable une solution qui est capable de déboucher sur crise là. Pratiquement, c'est de ça qu'on gagne. Et puis, bon, la Vadem, il a mis des souliers pour nous, un bel programme, surtout concernant la participation, mesdames, dans la Coupe du Monde de football féminin. Donc, en pile bagaille. En pile bagaille. Et pour ça, concerné Haïtiens, qui ont un groupe Haïtien qui vivait sous frontière, et que l'autorité immigration américaine autorisée entrer aux États-Unis, mais on sait pratiquement, il y a là-dedans qui bloqué. Qui bloque sur frontière particulièrement elle passe au Texas côté que yo gen moun qui te promet yo si yo vini y a héberger yo y a ba encore depuis dormi mais les ba la vin sérieux moun qui te promet yo a di yo ah li pa capable encore etc. Li pa encore donc on a pour dégager yo pour aller de l'autre côté donc pratiquement gen moun ça qui bloqué mais gen moun tout qui vini et qui tient à attendre en famille aux amis voyez comme bayo ou bien achetez que bayo pour arriver dans la destination finale parce que il y a une organisation qui normalement bayo 24 heures priorité pour héberger pendant 24 heures et après 24 heures jeter à l'autre côté mais il y a une autre organisation c'est une organisation religieuse que pasteur et Jean Jacob jeudi a dirigé dans le pasteur Texas bon il même dit que les bayes si on ti rallonge, dit que la durée était pendant plus de temps, mais côté le gain, il dit, à côté le gain, pas de fait pour ça, tellement pas de fait pour ça, c'est la caille pas l'obligé héberger un groupe dans mon lieu et puis l'autre groupe là héberger dans l'église là.
et puis de temps en temps mon aller, mais il y a plus monde qui vient que monde qui aller. Donc il a toujours besoin de place, mais il besoin tout que ou même si au cap garder programme, sous ca aider, reler, voyer sous ca héberger mon ou même car accueillir mon accueil, accueillir mon nom. Et sous ca c'est comme si tu coca ba au monde pour dégager pour aller côté pour aller à Bali, n'importe quelle façon que yo mon ou capable aider parce que bon gouvernement fédéral en général pas comme ça et monsieur dit li pas là mais pour là pour constater que haïtien a dormi dans la rue tant que par exemple c'est de vénézuélien qui a dormi devant l'église sacrée qui est en bas la ville et elle passe au Texas et parce que va l'autre côté pour aller yo même yo là yo là en attendant que est-ce que état ou le gouvernement font bail pour eux pas connaît mais mon ça là c'est mon depuis dernière fois m't'aller dans zone là mon était là et mon ça qu'elle est toujours là toujours côté yaptan et on assistance pour car tout comme haïtien autour mais haïtien un petit peu moins ça qui dans zone parce bon gain recours avec parce ça mais gain l'autre monde tout par exemple gain Echen Bizalance qui a aidé tout dans sens pali donc chaque monde peut un petit contribution capable pour aider et fusion on va faire parler jeudi à deux groupes haïtien ça il y a m'était parler un peu avec monde qui t'a parti m'était parler surtout de programme là jeudi en parle avec quelques monde qui concerne même c'est haïtien qui était habité au Chili et haïtien tout qui est habité au Brésil eh bien et pour un petit échantillon et puis parler un petit peu de voyage ça et au même pays principal et yo pas attendre pour aller dans destination finale aussi tout ça c'est surtout en Floride que parler moi c'est Jean-Baptiste Philippe qui salue nous moi merci tout le monde restez branché quand même sur la voie de l'Amérique pour que tout ça qui passe suivre toute plateforme nous et puis à soir un match sous gain temps garder télévision et parce que nous vivons petit sport tout et puis la voie de l'Amérique une petite rubrique sport tout qui a préparé un programme spécial pour nous surtout sur ça qui passe et sélection en lui-même, même tiens sélection en lui-même, la préparer pour la faire face à rencontrer avec sélection Léonessio, qui est la sélection anglaise. Puis Léo Messi trouvait le Miami, il a monsieur débarqué dans un petit avion privé qui menait et dans Fort Lauderdale, c'est un petit avion, un petit aviation, et monsieur devient toute famille, et monsieur l'a pas signé un contrat là, Bab dit non, sans plus l'argent, sans plus le cop qui déplaçait Messi, donc c'est pas un good. Monsieur Pratt a un contrat de deux ans et demi avec FC Miami. Et c'est pas pour Ticop. C'est pas pour Ticop. L'argent qui est dans le figuil que Monsieur Pratt a touché. Donc, Monsieur qui est pour le jeu pour un match pratiquement la semaine prochaine, la plus pour un match. Donc, nous avons compris l'engouement qui est pour acheter un ticket pour aller regarder Léo Messi qui vient aux États-Unis. FC Miami. Bonsoir tout le monde. Bon week-end. Bon après-midi. Je ne sais pas si vous avez un bon après-midi. Bye bye.